Le sacrement suivant, après avoir étudié le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, qui nous a pris pas mal de temps, il nous faut traiter maintenant de ce sacrement que l'on appelle la pénitence. Quand on parle de pénitence, on peut dire comme deux réalités. On peut entendre par le mot pénitence la vertu de pénitence. Par exemple, dans l'Ancien Testament, Jonas dit aux Ninivites « Faites pénitence, sinon vous périrez tous ». Notre Seigneur dit aussi de faire pénitence et nous demande la pénitence. Donc ça, c'est la vertu. Et puis, quand on parle de pénitence, on parle aussi d'un sacrement particulier. La vertu de pénitence, c'est l'habitude, c'est la définition d'une vertu, l'habitude qui porte l'homme à détester ses péchés, c'est-à-dire les péchés qu'il a commis, et à s'en corriger. C'est une habitude par laquelle, donc, dans son âme, il déteste ses péchés, cherche à les réparer par ce qu'on appelle aussi la pénitence, c'est-à-dire une œuvre de peine, un sacrifice, une mortification, et puis se prend tous les moyens, disons, pour ne plus les commettre à l'avenir. Ça, c'est la vertu de pénitence. Le sacrement de pénitence comprend la vertu de pénitence. D'ailleurs, il n'est pas possible de recevoir le sacrement de pénitence si l'on n'a pas la vertu de pénitence. Mais le sacrement de pénitence, c'est ce signe sensible institué par notre Seigneur, c'est là la définition de tout sacrement, par lequel le prêtre remet les péchés commis après le baptême. Le sacrement de pénitence, c'est ce sacrement qui remet les péchés commis après le baptême. Notre Seigneur a manifesté, enfin même a exercé, n'est-ce pas, ce sacrement. Il n'y a que Dieu qui puisse remettre les péchés, puisque le péché est une offense faite à Dieu. Donc Dieu étant offensé, c'est l'offensé qui pardonne, bien sûr. Donc Dieu a déjà pardonné, notre Seigneur a pardonné plusieurs fois dans sa vie. Par exemple, la femme adultère qui lui est présentée, on demande à ce qu'elle soit lapidée. Notre Seigneur demande que celui qui est sans péché lui jette la première pierre, tout le monde s'en va, elle reste seule face à notre Seigneur. Notre Seigneur lui dit « Où sont ceux qui t'ont condamné ?» Et elle dit « Je ne sais pas ». Et notre Seigneur lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas ». Vous voyez, il lui pardonne. « Mais va et désormais ne pêche plus ». Sainte Marie-Madeleine, on se souvient de cet épisode, elle est venue pleurer aux pieds de notre Seigneur. Parce qu'elle a beaucoup aimé, il lui sera beaucoup pardonné, dit notre Seigneur. Jésus a le pouvoir de pardonner parce qu'il est Dieu, il est l'offensé. Et ce pouvoir, il l'a donné à ses apôtres. Et donc notre Seigneur a vraiment institué ce sacrement par lequel le prêtre, au nom de Jésus-Christ, remet les péchés. C'était après sa résurrection. Notre Seigneur apparaît à ses apôtres, leur dit « La paix soit avec vous », et c'est vraiment l'œuvre de la résurrection de notre Seigneur que de donner la paix. Il leur souffle, recevez le Saint-Esprit, il souffle sur les apôtres, et tous ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis, et ceux à qui vous le retiendrez, ils leur seront retenus. Et là, notre Seigneur donne à ses apôtres le pouvoir de remettre le péché, il institue le sacrement de la pénitence. Ce sacrement est nécessaire, notamment pour ceux qui ont commis un péché mortel, c'est-à-dire une offense si grave faite à Dieu qu'elle ôte la vie de l'âme à Dieu. Et donc celui qui a perdu la vie de l'âme, c'est-à-dire la vie de la grâce, ne peut la retrouver que par le sacrement de pénitence. Je dirais que c'est le malheur des protestants qui ont voulu abolir ce sacrement. Et on connaît de ces témoignages de protestants qui disent aux catholiques « Vous avez, vous, de la chance d'avoir ce sacrement parce que vous avez la conscience en paix ». Le protestant a beau dire « Je me confesse directement à Dieu », quelle certitude a-t-il que le bon Dieu lui donne l'absolution ? Aucune. Et du reste, il ne la lui donne pas. Parce que Dieu a voulu donner l'absolution par ce sacrement de pénitence. Et c'est un effet de la bonté de Dieu. Pourquoi ? Nous sommes sensibles, nous avons besoin de choses sensibles pour même approcher les choses spirituelles. Et plus encore, nous avons besoin de certitude. Cette certitude nous est donnée par un sacrement. C'est-à-dire qu'au moment même où le signe est réalisé, et c'est la définition du sacrement, à ce moment, la réalité du sacrement est donnée. De sorte que quand le prêtre donne l'absolution, l'âme, les péchés sont pardonnés et l'âme retrouve l'amitié divine si elle l'avait perdue. Donc voilà un sacrement absolument merveilleux, qui est la plus grande manifestation de la miséricorde de Dieu.
On l'appelle aussi le sacrement des morts. Pourquoi ? Mais parce que les âmes qui sont mortes, c'est-à-dire qui n'ont plus la vie divine, la vie de la grâce, peuvent et doivent le recevoir pour recouvrer la vie. C'est donc un peu le sacrement des morts. Ce sacrement donc est nécessaire, voyez. Celui qui n'est pas en état de grâce ne peut pas aller au ciel. S'il n'a pas l'amitié divine, comment peut-il entrer en communication perpétuelle avec Dieu ? Il a rejeté Dieu par le péché mortel, voyez. Donc, le bon Dieu, dans sa bonté, a institué un sacrement pour pardonner les péchés. Ce sacrement découle directement de sa croix, de son sacrifice. Souvenons-nous du bon larron. Il est, lui, sur la croix parce que il a commis au moins des vols, peut-être des crimes, on n'en sait rien. Enfin, en tout cas, il est là et il le dit, pour nous c'est justice. Il voit bien notre Seigneur à côté de lui, souffrant, et notre Seigneur est innocent. Et il reconnaît l'innocence, il se tourne vers notre Seigneur et lui dit, vous êtes innocent, pour nous c'est bien justice. Et il dit à notre Seigneur, quand vous serez dans votre paradis, souvenez-vous de moi. Et notre Seigneur lui répond, en vérité, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Quel merveilleux fruit de ce sacrifice par lequel les péchés de ce bon larron sont pardonnés. Il meurt en paix, il a retrouvé l'amitié divine, il l'a demandé directement. Alors voyez, ce sacrement, donc, c'est vraiment l'acte par lequel le pénitent, c'est-à-dire celui qui a péché, qui a commis des péchés, alors après son baptême, on ne peut recevoir un sacrement que si l'on a été baptisé, sinon on ne peut pas le recevoir, eh bien le pécheur va s'agenouiller pour recevoir l'absolution de ses péchés. Alors, comme tout sacrement, n'est-ce pas, c'est un signe sensible, et le signe contient deux réalités, la matière et la forme. Qu'est-ce que la matière du sacrement ? La matière qu'on appelle éloignée du sacrement de pénitence, ce sont tous les péchés qui ont été commis après le baptême, et surtout les péchés mortels, car ce sont eux qu'il faut principalement accuser en confession. Bien sûr, il faut aussi accuser ses péchés véniels, bien que ce ne soit pas obligatoire, mais c'est beaucoup mieux. Mais la matière prochaine, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont ce qu'on appelle les trois actes du pénitent que nous verrons dans la leçon suivante, c'est-à-dire la contrition, la confession et la satisfaction. Nous en reparlerons prochainement. Voilà pour la matière. Donc, ce sont les péchés que l'on accuse en confession. Et qu'est-ce que la forme ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui réalise et confectionne le sacrement de sorte que le sacrement est donné et que le sang de notre Seigneur vient purifier l'âme ? Eh bien, c'est ce que l'on appelle l'absolution, l'absolution que donne le prêtre, que seul le prêtre peut donner, ou l'évêque. Mais un diacre ne peut pas donner l'absolution, un simple clerc ne peut pas donner l'absolution, encore moins un fidèle, il faut être prêtre. Qu'est-ce que l'absolution ? L'absolution, c'est la sentence que le prêtre prononce au nom de Jésus-Christ pour remettre les péchés aux pénitents bien disposés. C'est pourquoi le prêtre dit « Ego te absolvo a peccatis tuis, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti ». C'est la forme même de l'absolution. Moi, je t'absous de tes péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est un pouvoir que le prêtre tient directement de Dieu, hein, c'est entendu. Mais voilà la forme, c'est à ce moment précis où le prêtre prononce ces paroles. D'ailleurs, il trace un signe de croix pour bien montrer que l'absolution découle aussi de la croix, que tout se fait au nom de la croix. Le prêtre prononce ces paroles, à ce moment-là, l'âme recouvre la vie divine si elle avait perdu. En tout cas, les péchés sont pardonnés à ce moment précis. C'est une sentence, c'est-à-dire que le confessionnal, c'est-à-dire là où on va se confesser, le confessionnal est un tribunal, mais c'est un tribunal de la miséricorde. C'est un tribunal où la sentence est une sentence de miséricorde. Je t'absous de tes péchés. En attendant le tribunal de justice, devant lequel nous devons passer au moment même de notre mort, eh bien, il faut savoir profiter de ce tribunal de la pénitence. Quelle bonté aussi, là encore, du bon Dieu, qui nous donne cette miséricorde gratuitement, n'est-ce pas ? Alors, bien sûr, il y a l'effort de devoir accuser ses péchés, mais enfin, il nous donne ce tribunal gratuitement pour pouvoir absoudre tous nos péchés, quels qu'ils soient. Et il n'y a pas de péché, si grand soit-il, qui ne puisse être absous. Alors, quels sont les effets de ce sacrement ? Eh bien, c'est assez simple, finalement. La pénitence efface tous les péchés mortels et véniels dont on a la contrition.
Ça, c'est la première chose. Vous savez, un péché contient deux réalités. Un péché contient une faute, c'est-à-dire l'offense faite à Dieu, et une peine, c'est-à-dire la réparation qu'il faut faire naturellement. L'absolution efface toutes les fautes. Dieu remet les compteurs à zéro. Ça, c'est incroyable, parce que nous, humains, nous avons tant de mal à remettre les compteurs à zéro lorsque nous sommes brouillés avec quelqu'un, nous sommes si facilement rancuniers, ou nous disons facilement « je pardonne, mais je n'oublie pas », eh bien, le bon Dieu, lui, dit « je pardonne totalement, tous tes péchés te sont remis ». Donc, Dieu efface la faute. Ça, c'est la première chose. Quant à la peine, eh bien, la peine, elle est proportionnée à la taille du péché, si je puis dire. Plus le péché est grand, plus la peine est grande. Et si le péché est mortel, c'est-à-dire que si le péché est tel qu'il ôte la vie de l'âme et qu'il chasse Dieu de l'âme, eh bien, la peine est éternelle, c'est l'enfer. Eh bien, par l'absolution, la peine éternelle est remise. C'est-à-dire que l'âme qui était en voie de damnation se retrouve sur le chemin du ciel. Là encore, quelle merveille! Quelle merveille! Par nos péchés, nous méritons l'enfer, et Dieu décide de nous remettre sur la bonne voie. Ça, c'est absolument incroyable. Alors, la peine éternelle, c'est-à-dire celle qui est liée au péché mortel, la peine de l'enfer, est remise. En revanche, il y a encore une peine temporelle, ou une peine temporelle liée au péché véniel. Eh bien, cette peine temporelle est plus ou moins remise, et ça, malheureusement, nous ne connaissons pas la mesure de cette remise. Elle est directement liée à notre contrition. Plus notre contrition est grande, sincère, profonde, humble, plus la peine temporelle est remise. Bah, malheureusement, c'est difficile à mesurer. Voilà pourquoi il faut s'exercer, on le reverra énormément à la contrition, mais Dieu seul sait comment, de combien cette peine éternelle, cette peine temporelle est remise. Et ensuite, au jour de notre mort, eh bien, si cette peine temporelle n'est pas totalement effacée, c'est le purgatoire qui va finir de remettre cette peine temporelle. Ensuite, l'un des effets de ce sacrement, puisque la peine éternelle est remise, eh bien, la grâce est redonnée pour celui qui l'avait perdue. En tout cas, s'il ne l'avait pas perdue, le pénitent reçoit une augmentation de grâce. Ce sacrement fait revivre les mérites passés. Bon, c'est un moment difficile, disons, de la théologie. Elle donne de certaines grâces sacramentelles, des droits à certaines grâces, notamment à lutter plus efficacement contre les péchés qui ont été accusés. Et puis surtout, elle donne la paix et la sécurité à la conscience. Et ça aussi, c'est quelque chose de merveilleux. Le protestant ou le moderniste qui dit « je me confesse directement à Dieu », quelle paix reçoit-il ? Aucune. Le pénitent qui a fait l'effort d'accuser ses péchés sort du confessionnal, il est en paix, et le prêtre lui dit à la fin « allez en paix ». Et c'est vrai, et cette paix, d'une façon sensible, il la ressent quelquefois. Donc voilà, ce sacrement a des effets absolument merveilleux, et on aurait tort de s'en priver.